Bonjour. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Jackie, veuillez débarrasser les dossiers. Merde! C'est bon. Donc, on peut faire quelque chose pour vous? En fait, je viens juste d'aller porter plainte à l'encontre de Monsieur Viaret au commissariat. Ils l'ont bien enregistré, mais j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu moqués de moi. Ah bon? Bah oui, en fait, c'est un petit peu particulier. Ma femme est l'ex de Monsieur Viaret. Et depuis, il a une dent contre moi. Ça vous étonne? Jackie! Quoi? Bah, donc, depuis son départ en retraite, Monsieur Viaret a décidé de vouer sa vie aux sciences occultes. Ça marche, ces trucs-là? Non, mais parce que mon cousin Kevin, à qui j'ai vendu ma bagnole, il me doit des sous, alors depuis... Bah, comment que ça marche? Depuis que Monsieur Viaret me jette des sortilèges, ma santé en a pris un sacré coup. Ah bon? Ah oui. Fatigue chronique, rhinite aiguë, eczéma, stress, et même de l'impuissance. Impuissance? Mais c'est affreux! Comme vous dites, ouais. Globalement, je comprends votre démarche, mais les juges sont rationnels, ils ne croiront pas aux histoires vaudou, même si c'est la vérité d'ailleurs. Ah bah attendez, moi tout ce que je veux, c'est que vous alliez lui parler et que vous fassiez pression sur lui. Je retire ma plainte s'il arrête. Hein. Je veux bien aller lui parler, mais je vous garantis rien. Merci. Tenez, voici l'adresse. Une petite avance en liquide sur vos honoraires. D'accord, bah, je lui tiens informé. Au revoir. Au revoir. Salut. Rue des Saules. C'est parti pour la rue des Saules. Ouais, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec un client pareil. Hein. Jackie, je vous en prie. Vous avez une voiture? Oui, enfin, presque.